Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, cette vidéo va se baser sur deux critères. Donc je disais, en fait, aujourd'hui on est le 23 janvier 2019, et pas 2010, parce qu'en fait j'ai fait la vidéo, je viens de la faire, mais genre j'ai dit 2018 ou 2019, donc je préfère la refaire. Donc ça va se baser sur l'anniversaire de X, l'enfant de X. Trippie Redd qui a fait la chirurgie esthétique là sur les lèvres. Donc voilà. Donc je disais, non c'est ma première news, voilà. Donc là le premier critère c'est l'anniversaire de X aujourd'hui. Donc s'il serait né là, si je mens pas il aurait dû avoir 21 ans ou en fait parce qu'en fait si je mens pas il aurait dû avoir 21 ans ou 20 ans en fait. Parce qu'en fait, il y a plein de gens genre, qui disent qu'il avait 19 ans ou 20 ans, mais je pense qu'il avait plus de 20 ans que 19 ans en fait. Donc voilà. Et l'enfant de X aussi est sur le point de naître. En fait, il va peut-être naître, je sais pas, il peut naître à tout moment. Mais en fait, là, si il naît maintenant, ça serait quelque chose de ouf. S'il naît là, là, il est quelle heure en langue française là? Il est 13h46 là, ici. Donc là-bas, genre en Amérique, je crois il y a 6 heures, non, je sais pas combien il y a d'heures de décalage, mais je crois que là-bas, si je mens pas, ils doivent être dans la nuit, genre, donc ils doivent être 4-5 heures du matin là-bas, donc voilà, c'est chaud. Et aussi, je précise, l'enfant s'appelle, il va s'appeler, il s'appelle comment déjà? Gekyo, donc c'est un nom, c'est un bon nom, mais voilà. Il n'est pas beaucoup utilisé et c'est ça qui va faire voilà. Donc en fait il y a plein de gens genre qui disent que ouais l'enfant de X il va être le nouveau X et voilà en plus qu'il avait prédit sa renaissance plus sa mort donc c'est chaud quand même. On sait même pas si l'enfant sera passionné par la musique aussi. On sait pas s'il sera passionné par la musique, par exemple, je sais pas, moi il sera passionné peut-être par le basket, par le football américain, par le soccer, donc ou je sais pas, moi par le tennis, par tous les sports qu'il voudra faire. Mais l'enfant, laissez-le grandir, genre, on attendra, je sais pas, 20 ans, ouais, non, non je trouve, non, pour 20 ans, j'en aurais 33, non, ce serait non, plus jeune quand même. Donc je disais, voilà, donc, il faut laisser grandir l'enfant, voilà. Parce que c'est chaud. Depuis ce matin, je fais que penser à ça. Voilà. C'est chaud quand même, c'est chaud. Donc il y a. Je sais pas, j'ai même pas parlé tellement. Donc voilà, donc le troisième. Bon, voilà, fini avec ça. Et aussi, en fait, je me suis un petit peu inspiré de la vidéo de Le Fresh. De hier parce qu'il a sorti la vidéo hier où il disait que genre que X et tout voilà donc je sais pas s'il passera dans cette vidéo le fraîche mais je pense pas mais vraiment je pense pas mais sinon s'il passe par là big up à toi frérot donc voilà et voilà donc il y a aussi Trippie Redd. Trippie Redd, il commence à partir en couille aussi, hein. Mais il est parti en couille donc voilà. Il s'est fait refaire les lèvres en fait. Moi j'ai pas de photo à vous mettre parce que voilà. Il s'est fait refaire les lèvres. Mais non, mais ça va être quoi la nouvelle mode? Oh. Maintenant la nouvelle mode, ça va être les rappeurs vont se faire de la chirurgie esthétique. Non, mais là c'est hoche. C'est très hoche là. On le rappe. C'est chaud. Moi perso. Donc c'était tout pour cette vidéo. Et voilà. J'espère que l'enfant de X va naître. Et qu'il va être en très bonne santé et tout. Moi je vous dis. Ciao la mif.